exactement ce que vous faites? Ah bah je suis comme les médecins, je suis généraliste. Généraliste. Voilà, je fais un peu tout. Alors il y a plein de choses que je ne fais pas. Mais je fais, donc je ne fais pas du droit du divorce. Je ne fais pas de droit du travail. C'est une chance. Je ne sais pas. À l'université, j'ai eu un en droit du travail et je me suis dit que probablement, il serait plus prudent que je n'en fasse pas quand ça aurait des conséquences plus graves. Donc je ne fais pas de droit du travail. Je n'ai pas de droit de la famille parce que la question de savoir dans le divorce qui garde le chat a pour moi un intérêt assez mineur. Donc je ne fais pas de droit de la famille. Je fais... Alors mon activité essentielle est d'être collaborateur d'avocat à la Cour de cassation. C'est-à-dire que... vous savez qu'il y a un ordre particulier d'avocats qui disposent du monopole de la représentation des parties devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et ils sont une centaine répartis en 60 charges. Et j'ai toujours, depuis le début de mon exercice, collaboré avec ces avocats à la Cour de cassation. Ce que je fais toujours aujourd'hui, dans l'attente que peut-être un jour je puisse moi-même être avocat à la Cour de cassation. Mais comme c'est un numerus clausus, eh bien, j'attends patiemment. On est au vestiaire des avocats, et c'est là que chacun de nous a une petite case où il reçoit son courrier, les conclusions des adversaires, tous les actes de procédure. Et donc voilà, moi je suis le C1273, et donc je ne sais pas ce que me réserve mon casier. Voilà. On reçoit aussi énormément de revues professionnelles qui n'ont aucun intérêt. Ça c'est un jugement, je ne sais pas dans quelle affaire. Ah oui, très bien. Bon, je vais voir ce qu'ils ont jugé. Ça, c'est un bulletin de procédure. Voilà, donc je dois conclure avant le 14 mai. Très bien. Ça, ce sont des conclusions adverses. Bon, ben, on va regarder tout ça. Voilà, c'est ce qu'on appelait les TOC, puisqu'à l'origine, quand les avocats avaient des chapeaux, c'est-à-dire des TOC, eh bien, ces TOC, ils les mettaient dans des casiers comme ça, et c'est dans ces casiers-là qu'ils recevaient les pièces. Alors maintenant, on n'a plus de TOC, donc les casiers sont plus petits, mais ça s'appelle toujours la TOC. Donc moi, j'ai ma TOC et c'est 1273. De toute façon, il n'en changera rien. Ça. Et je vais reclasser dans mes dossiers tout ce que j'ai trouvé dans ma TOC tout à l'heure. En dossier correspondant. Donc. Il y a combien de dossiers en général ? Ouais, en général, vous en avez combien en même temps ? Une cinquantaine. C'est pas beaucoup. Ça va là-dedans. Un dossier qui a été plaidé, on attend juste le résultat. Et ça, c'est un dossier qui va être plaidé. Et on est donc convoqué le 21 mai à 11h pour plaidoirie. Et je dois conclure donc avant le 14 mai. Et donc je vais me noter dans mon agenda que je dois donc conclure avant le 14 mai. Dans ce dossier, je crois que je m'étais déjà noté une date, mais... Ah bah je m'étais noté pour le 14 mai, donc je vais me le noter un peu plus en avance. Je vais me noter de conclure, disons le 9 mai. Comme ça, au moins. Alors là, évidemment, c'est le moment où on en a besoin qu'on ne le trouve pas. Voilà. Donc, je dois conclure... dans le dossier de responsabilité médicale qui est un accouchement qui s'est mal passé. Affaire triste et douloureuse. Une femme qui a perdu non seulement les deux enfants qu'elle portait, mais également l'espoir d'en avoir. À cause d'une faute médicale ? À cause de ce que nous estimons être une faute médicale, oui, absolument. Une mauvaise surveillance de la grossesse. Oui. Vous défendez vos clients plutôt au correctionnel, en assise ? Devant les deux juridictions,
matériellement, évidemment, il y a moins de dossiers d'assises, donc je vais moins aux assises qu'au correctionnel, mais les deux m'arrivent à la fois devant les assises et devant le tribunal correctionnel, à la fois en défense et en partie civile, j'ai pas d'exclusive, voilà, donc les deux. Et vous avez toujours rêvé de devenir avocat ou... Absolument pas. Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'ai longtemps détesté le métier d'avocat. Je me suis réconcilié assez récemment avec ce métier. En fait, quand j'étais étudiant, je pensais que j'allais faire l'ENA. Et par un malheureux concours de circonstances, l'État s'est privé de mon concours. Et il m'a d'ailleurs privé du concours, tout court. Donc, ayant échoué à tout ce que je voulais faire, je suis devenu avocat dans une sorte de voiture balai. Et donc, voilà, au début, j'étais très malheureux d'être avocat parce que ça représentait mon échec. Bah si, je voulais être fonctionnaire. Donc, j'exerçais le métier d'avocat comme une sorte de dépit. Et puis bon, finalement, après, nécessité fait loi, et puis on se dit qu'on en a pour 40 ans, alors autant aimer ce qu'on va faire. Vous donnez aussi des cours à Sciences Po? Oui. Alors, depuis 2 ans, je donne, enfin, donne des cours. C'est beaucoup dire, j'ai aucune prétention à enseigner quoi que ce soit. C'est très interactif et très ludique. Donc, c'est des cours qui s'appellent Joutes Oratoires. Mortabite. Il n'y avait pas que Mortabite, il y avait aussi. C'est un vrai cas. C'est un cas de testing en boîte de nuit, dont l'un des testeurs était monsieur Marwan Mortabite. Voilà. Qui explique qu'on refuse de l'accès à la boîte, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Avec un nom pareil, on rentre. Bah, une souplesse pareille laisse entendre qu'effectivement, il serait mieux dans un cirque. Alors, je crois que, contrairement aux élèves du mardi, dans le cas de testing, personne n'est venu le plaider. Est-ce que c'est bien ça? C'était à faire pour aujourd'hui. Pouvez-vous me décrire votre parcours universitaire? Alors j'ai fait mon parcours universitaire à Paris 2, ce qui est extrêmement original. Bonne réponse, hein. Ouais, voilà. Bonne réponse. Donc j'ai fait mon parcours universitaire à Paris 2. Et donc jusqu'au... Alors ça s'appelait pas encore le Master 2, ça s'appelait un 2A. Ouais. Mais c'était au siècle dernier, donc c'est très très longtemps. Dans des diluviennes. Et j'ai fait donc un master 2 de droit privé général. Est-ce que vous conseilleriez à un étudiant en droit de le métier d'avocat? Bien sûr, c'est un métier merveilleux. Il vous a fallu du temps pour l'accepter. Il m'a fallu du temps pour l'accepter, aujourd'hui je l'aime. Mais oui, je conseillerais pas spécialement. C'est un beau métier dans lequel on peut s'épanouir, il y en a mille autres. Mais ce n'est pas parce que nous sommes déjà trop nombreux qu'il faut déconseiller les arrivants. Et puis après tout, ce sont les nouveaux qui prendront nos retraites. De sorte qu'il faut au contraire encourager la jeune pousse à s'engager dans cette profession. Alors maître, tout à l'heure vous allez avoir une audience. Pouvez-vous me parler des faits? Alors c'est pas exactement une audience, c'est un interrogatoire devant un juge d'instruction. Il s'agit de faits qui à l'origine, et sont toujours d'ailleurs qualifiés de tentative de meurtre. Il s'agit en réalité d'une affaire où la qualification initiale sera probablement revue en fin d'instruction. Pour l'instant, c'est une tentative de meurtre. Il s'agit de violence entre concubins, avec ceci de particulier que le concubin accuse sa concubine de l'avoir frappé à coups de couteau dans l'abdomen. Et donc, la mise en examen est interrogé pour la première fois cet après-midi par le juge d'instruction. Donc c'est un premier interrogatoire au fond. Elle va rencontrer le juge d'instruction pour la première fois parce que lors de sa première comparution, c'était un autre juge d'instruction qui l'avait entendu. Donc c'est pour la première fois, elle va pouvoir s'expliquer de façon complète sur les faits qui lui sont reprochés. On a eu affaire à un juge extrêmement compétent et impartial, qui est toujours agréable, il connaissait bien son dossier, voilà, après l'instruction suit son cours, mais c'était important. Le premier interrogatoire au fond, c'est toujours un moment important dans une instruction. Donc, voilà, mais c'était un début, mais c'était bien qu'elle puisse s'exprimer aujourd'hui. Voilà. Quel est votre meilleur souvenir de procès
Et le plus mauvais? Alors, mon pire souvenir... Pire souvenir... Il y a plein des mauvais souvenirs, mais... c'est pas évident. C'est pas évident, en fait. Le meilleur souvenir, je pense que... Alors, il y en a... Il y a une fois... dans un dossier de braquage... C'est la seule fois de ma vie, qui est brève, enfin, c'est la seule fois où j'ai pensé en sortant de l'audience que j'avais bien plaidé. Voilà. Là, je me suis dit, c'était bien. C'est un très très bon souvenir. C'est-à-dire que c'est le sentiment qu'on a quand on plaide que ça se passe bien. Qu'on vous écoute et que les mots viennent naturellement. Ça, c'est très agréable. C'est arrivé une seule fois. C'est parce que je suis un avocat médiocre. Mais ça, c'est un très bon souvenir. Après, il y a des souvenirs de bons résultats. Il y a des souvenirs d'audience où on sent que, à l'audience, indépendamment de soi-même, mais c'est un bon souvenir pour moi, non pas en tant qu'avocat, mais quasiment en tant que spectateur de l'audience, qu'il se passe à l'audience un truc incroyable. C'est-à-dire que des choses se disent qui ne se serait jamais dite ailleurs que dans une salle d'audience. Parce qu'on est dans une cour d'assises et qu'il y a une catharsis judiciaire qui fait que des gens expriment des choses qu'ils n'exprimeraient jamais autrement que dans ce lieu invraisemblable où des passions se cristallisent, où se font jour des paroles qui ne naîtraient jamais ailleurs. Eh bien, ça c'est très beau, de pouvoir assister à ça. Mais ça n'a rien à voir avec le métier d'avocat. C'est juste qu'on voit des sentiments humains naître et se dévoiler comme on le voit nulle part ailleurs. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas du tout une satisfaction d'avocat. Je n'y étais pour rien. Mais le fait d'avoir le privilège d'y assister, ça, c'était formidable. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Parce que la cour d'assises permet ça. Il y a une urgence dans la cour d'assises qui permet que les sentiments se dévoilent et dans une sorte de paroxysme judiciaire. Et après, des mauvais souvenirs, il y en a plein. C'est tous les moments où on a été mauvais, qui sont bien plus nombreux que où on a été bon. Les moments où on a le sentiment qu'on n'a pas su faire passer son message. Les moments où on sait qu'on a été insuffisant. Les moments où on est révolté parce que le magistrat n'est pas bon non plus. Et ça arrive très souvent. Parce que le magistrat est simplement là pour faire son show. Parce que le magistrat n'est pas là pour écouter. Parce que le magistrat ne connaît pas le dossier. Parce qu'il condamne injustement. Parce qu'on a intimement la conviction que la décision qui a été prise n'est pas bonne et qu'on n'a pas su faire en sorte qu'elle soit meilleure. Mais ça, c'est notre quotidien, en fait. Parce que... Enfin, c'est notre quotidien, c'est pas le mien, hein. Moi, je suis pas pénaliste. Mais... Enfin, c'est vraiment... quand on est pénaliste, dans l'idée que je peux m'en faire, c'est-à-dire qu'on gagne une fois sur 20. Mais c'est cette fois-là qui vous permet de repartir pour les 19 fois suivantes, avec l'espoir que la justice sera rendue.